Ah, Vigo, écoute, chez Pro Vigo, les autres, ils sont pas mis à date, je pense, parce que exactement la même chose. Là. Leur outil d'intérieur de honte, lui, à 2,99 la livre. Ah, là, on se reconnaît, là, on retrouve le prix qu'on cherche. Ou 6,59 le kilo. Là, ça a de l'allure. Là, ça a vraiment de l'allure, mais. Parce que là, tu vois, de 3,77 chez Metro, 2,99 chez Provigo, tu sais, quand même, là, c'est 88 cents la livre. Ce prix-là, tu as des cuisses gratuites là, de poulet. T'sais, dans le fond, quand on y pense. C'est sûr, 88 cents, tu dis, 88 cents, ouais, 88 cents sur 100 piastres, c'est rien. Mais 88 cents sur 3 piastres, c'est énorme. Là, hein? C'est effrayant. Donc, c'est exactement la même maudite viande, mais là, beaucoup moins cher chez Provigo que chez Métro. Fait que, écoute, c'est sûr que ça vaut la peine d'y aller parce que tu en achètes plus qu'une livre. Hein? T'es sûr que un kilo, c'est 2 livres. Fait que tout de suite, là, tu sauves 1,70 $, là, comme il faut. 1,75 $, là, pour juste 2 petites livres. Puis, comme je te dis, c'est rare, c'est dur de pogner un morceau de rôti juste de 2 livres, de 1 kilo. Fait que, ben, ça, il y en a, là, c'est 1,2, 1,5 kilo, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une belle économie à faire, là, si tu vas chercher ton intérêt de rente cette semaine chez Provigo. OK? Aussi, chez Provigo, ben écoute, tu as le poulet entier du haut. Souvent, c'est les autres qui nous font hein, ce spécial-là à 12 $. Encore là, tu sais, il faut que ça pèse au moins combien? Hein? 12 $. On veut que ça pèse, on veut que ça coûte maximum 4 $ le kilo, donc 4 fois 3 12. C'est ça. On veut que ça pèse au moins, ça là. 3 kilos, hein? Le duo, je parle. En haut de ça, ben, tu fais un bon deal, là. Puis tu dis, il y a toujours une balance dans une épicerie, fait que gêne-toi pas, vas-y, puis assure-toi de payer, hein, d'avoir le plus gros pour 12 $. De toute façon, ça va te coûter 12 $ rendu à la caisse, ça c'est sûr, peu importe, t'as pris le plus petit ou le plus gros, pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a passé chez Provigo? Ah oui, le thon. Il est pas tout, il prend première page, là, il est en, je sais pas quelle est deux, troisième page, mais moi je l'ai vu en tout petit, là, le thon, la bonne marque en plus, le Clover Leaf, belle canne pour 1 $. Hey, du thon pour 1 $, toi. Pas cher, là. Hein, ça, c'est sûr que moi, je l'ai tout le temps à la maison, là, parce qu'il tombe assez régulièrement spécial, je remarque. Mais pas toutes les semaines, mais quand même, je ne l'attrape pas 12 cannes, là, parce que je sais que des prochaines semaines. T'sais, mais j'aime ça d'avoir deux temps, 2-3 cannes à la maison, comme ça. Si j'ai un dépanneur, tu sais pas quoi faire, il est 5 heures, qu'est-ce que je ferais bien à manger vite fait, puis qui serait bon quand même, que ça soit une merde. Bien, du thon dans une petite sauce ou dans une salade, c'est vite fait, bien fait, puis c'est super bon pour la santé. C'est du thon, c'est du poisson, plein d'oméga 3, puis ça, tu sais, t'en fous pour ton cerveau, puis on ne trouve pas ça partout. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Ben, écoute, hein, fais-moi un commentaire. Surtout, fais-moi un petit j'aime, partage, parce que, écoute, il faut absolument que le plus de monde possible voit la vidéo de Papa Popote. Surtout si tu vis au Québec, c'est un boss de regarder la liste de Papa Popote, parce que tu sauves énormément d'argent, puis ça t'aide, là, ça t'inspire pour pouvoir, tu sais, faire tes repas, aller justement choisir ce que tu vas faire cette semaine. Tu sais, faire ton menu, là, tu sais. Je te conseille vraiment, puis partage ça à tous ceux que t'aimes. Gêne-toi pas. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une belle semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.